Alors, qu'est-ce que tu as fait aussi à l'école? Parce que toi, ils t'ont donné pendant l'école. Quel est le dégât que tu as fait à l'école? J'ai initié aussi. C'est-à-dire, elle a initié des personnes là-bas. Ah bon? Comment tu arrives à initier les gens à l'école? Comment tu fais? Elle paye les biscuits avec les bonbons. Elle dit qu'elle paye des biscuits et des bonbons. Et puis je les donne. Mm-hmm. Et puis elle les partage. Quand je les donne, maintenant la nuit, mais elle réclame ce qu'elle les a donné à midi. Et la nuit, quand ils dorment, elle va pouvoir réclamer ce qu'elle leur a donné dans la journée. Les gens envoient les enfants à l'école et toi tu les inities. Hein? Les gens envoient les enfants à l'école pour aller étudier. Toi tu les apprends. Hein? Sorcellerie. Comment tu trouves ça? Et c'est pourquoi? Ah ben, elle dit c'est pour qu'eux aussi puissent pratiquer la sorcellerie avec elle. Est-ce que c'est une bonne chose? Elle dit non. Alors, si vous avez des questions à poser, madame, posez-lui des questions. Tu as fait quoi sur moi? Vous avez dépassé. Tu as fait quoi sur moi? Dans le monde de la sorcellerie, tu es ma femme. Et sa maman lui demande, elle a fait quoi sur elle? Elle dit que dans le monde de la sorcellerie, elle a marié, c'est sa femme. Comment tu fais pour coucher avec elle? Elle me transforme en garçon. Elle dit qu'elle se transforme en garçon. Toi, tu es garçon. Donc, tu es garçon. Quand il parle, il répond. Donc, tu es le rival de ton papa. Donc, tu es le rival de ton papa. Papa répond pour oui. Oui, papa. Voilà, tu as deux maris dans la même maison. Il y a mari de nuit et il y a mari de jour. Donc toi, tu es pour la nuit, là. Toi, tu es pour la nuit. Il faut répondre oui. Oui. Mais ton papa dort près d'elle, quand même. Comment tu arrives à aller vers ta maman? La nuit, il y a même mon papa dans long sommeil, il dort sans... Elle dit qu'elle met son papa dans long sommeil la nuit. Il dort jusqu'à... Et puis, il couche à ma femme. Il ronfle tout ça. Voilà. Mm-hmm. Et c'est pendant ce moment-là qu'elle en profite pour venir faire des rapports avec sa maman. Et toi-même, tu sais que c'est ta mère? Oui, papa. Elle dit oui. C'est grave, hein? Et la maman, elle sait pas? Ta maman, elle sait pas. Non, papa. Elle dit, elle ne sait pas. Ah oui, je sais. Donc, toi, ton papa, il est marié du jour et toi, tu es marié la nuit. Oui, papa. Elle dit oui. C'est pourquoi, juste. Pourquoi tu fais ça? Toi, tu dis que tu n'aimes pas la tête de l'autre. Maintenant, ta maman, elle t'a fait quoi? Pour que tu deviennes femme de nuit. Mari de nuit. Elle m'a rien fait. Elle dit, elle n'a rien fait. Ah oui? Et puis tu fais ça quand même? Il dit, elle t'arrive et puis tu lui fais ça. Tu as des questions encore à poser? Et puis, tu as fait quoi encore? Il y a mis boule dans ton ventre. Elle lui a demandé, elle a fait quoi encore? Elle dit qu'elle a mis boule dans son ventre. Comment ça? Si je couche, elle sait. C'est dans ça, elle met boule dans son ventre. Elle dit pendant qu'elle couche à elle, c'est dans ça qu'elle introduit la boule dans son ventre. Vous allez prendre le ventre, madame? Oui, papa. Elle dit oui. Bon, pourquoi cette maltraitance à ta propre mère qui t'a mise au monde? Elle dit pourquoi tu maltraites toi-même ta propre maman? Rien, papa. Elle dit rien.